bonsoir pour nous tous, bienvenue sur TV La Caille. Aujourd'hui, c'est samedi 28 mai 2022. Et c'est un plaisir pour nous avec vous matin là pour nous porter vidéo ça pour vous et pour nous continuer à informer sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti précisément. Et bien, hier là, la police frappe très fort, très fort. Et nèg yo mette de l'eau dans les yeux. L'homme sans jour côté yo maré, yon influent base 400 Marozo qui lui-même t'a fait interprète les 400 Marozo te kidnappé 17 ans missionnaire yo. Et bien tout ça pourquoi on a parlé là dans mais la police et nous va inviter au gain détail. Et puis l'autre ça qui est pour avec l'autre information qui a dominé actualité ya, nèg examen t'a pété tête yon élève l'école en pile crié dans famille ça. Et bien côté élève la l'école il s'entendait à balle pété et élève la mouri. Donc ici y a glo dans yeux parents liés aujourd'hui à là tellement eh bien et bagaille a fait mal lorsque des petits tout cal l'école et puis pour dans l'école pour balle prendre jusqu'à ce qu'il mouri. Alors Haïti là bagaille dégénéré mesdames et messieurs, ces jours-ci c'est en dans l'école où eh ben bandi entré à tirer monde États-Unis comme Haïti. Donc c'est comme ça bagaille yé mesdames et messieurs. Nous allons vous donner tout détail en dans vidéo ça et n'a pas de abonner avec canal ça si vous faire ça c'est grand moyen pour vous être informé et ou même tout aider avancer plus loin. 27 mai 2022 n'a pas annoncé par la population et la police arrêté hier sur Médor Peter 45 ans. Monsieur fait partie membre influent groupe 400 Marozo. C'est les mêmes qui t'ont servi comme moun qui t'a traduit pour le mensonge, jour où t'es enlevé et séquestré missionnaire. Samedi, ça t'est passé samedi 16 octobre 2021. Et monsieur était activement recherché par la DCPJ et la police a arrêté monsieur hier dans le Balais. Hier qui était 26 mai 2022, je nous dis à le Balais. Pendant que M. Tapissier prend la fuite pour lui à l'essai demain. On a profité de dire à la population que la police nationale livre une bataille sans merci contre tout kidnapping, contre tout trafic d'armes et munitions. Même le que lui a tenté de prendre la fuite, la police a fait tout ça capable pour que l'arrivée et bien lui conduit devant la justice. Et la police me balaye et toute la police est mobilisée derrière Pierre Dulidor, Peter, qui était servi, je vous dis, comme monde qui a traduit pour le mensonge où il a été kidnappé 400 missionnaires. Et la population, pour aller garder monsieur, et vous pouvez que grand pile de monde qui, si vous êtes habitué à monsieur Apoel directement lui-même, alors c'est monsieur lui-même comme membre influent 400 Marozo qui était traduit pour le mensonge, je vous dis. Pendant l'enlèvement, les jours d'enlèvement missionnaire qui est fait le samedi 7 octobre 2021. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà, et nous t'ai parlé de ça vraiment, mais nous pas de chance de montrer l'image. Et c'est très important parce que nous-mêmes, depuis nous avons une vidéo, depuis nous avons une image, il faut que nous montrions. Parce que nous connaissons que vous avez le temps de vous laguer, vous avez le temps de vous une série de juges qui étaient innocents. Au moins, vous avez gagné, mesdames, messieurs, au cas où, si vous avez une famille, si vous même vous avez à Haïti. Pour nous déjà prudents avec voler. Haïtiens, nous-mêmes qui dans Saint-Domingue, qui en République Dominicaine, faut que nous prudents en pile parce que nous avons une première destination voler ça, bandit ça, c'est la République Dominicaine. Évidemment, il y a quelques arrestations qui ont fait, mais au table fait quoi que vous arrêté M. Jodian là. Par hasard, l'homme sans jour, pas de monde qui compte côté lié. Par hasard, pas de monde comme si dans la police qui t'a tout et se mettre sous l'homme sans jour. Nous avons faut évidemment que nous pas qu'à dévoiler pour qu'on y a là. Par rapport au côté moins tendu, côté que nous connaissons dans le cadre d'investigation, nous, l'homme sans jouer. Ok? Et nous avons ça, mais par respect, il faut que nous quittions la police faire travail. Parce qu'il n'est pas prudent pour nous venir dire, et mais qui côté lié, mais qui côté le caché, bien que même ou quand t'as goïté. Mais n'empêche, la police, opération zéro tolérance, bandit ça, et qu'on y a là, c'est dans la prison pour aller parler anglais, genre qu'on a fait là. On avance, monsieur, avec Info Yo sur une édition spéciale. N'a dit tout le monde déjà bon week-end. Mesdames, messieurs, en pile énergie positif et en pile love, en pile l'amour pour vous. Parce que vous connaissez vous-même. Ou remet pays d'Haïti ou par Jean Seri, ou par même Jacques Seri de Moun. Mais
nous t'ai toujours dit nos grosses surprises pour vous. Et très bientôt, nous allons commencer à parler de lui. Mais avant l'émission, nous allons commencer à montrer nous quelques images. Parce que nous avons autorisation pour nous faire parler de lui. Et dans le cadre du travail que nous tous nous avons fait, tous les messieurs, sans exception, qui a fait un travail important, nous félicitons. Nous nous allons montrer une petite image dans quelques minutes. Oui, Anderson, on avance. Nous avons avec information, nous avons prêté dans le dossier. Sécurité et la police qui t'a mis un bout dans la vie environ de présumés et bandits pendant la journée vendredi 27 mai 2022. Et puis, un pistolet est confisqué par agent pénation et deux et malfrats qui t'a tenté de détourner un camion SO national numéro 1 dans le niveau et Canaran. Et bien, dans le moment ça, et la police, lui-même qui t'a arrivé, et lundi la police qui t'a privé, un patrouille policière et qui t'a privé et sous place qui t'a croisé bap pour bap avec un individu mal intentionné ça ou, et bien, et la police qui t'a l'ouvri, coup d'am et sur yo, monsieur yo, qui t'a riposté, et bien, et deux individus ça ou, taboué, globusio, et noué, dernier dans ça ou, tout côté, et la police fait connaître, yo décrété, et la permanence, nan niveau, tronçon route yo, et dans l'idée, pour capable faire échec avec un bandit, cap attaqué, détourné, et même, pillé à longueur et de journée et camion cap transporté marchandise yo, et ben nous capable dire c'est un énième coup et la police est à fait côté yo ta mis fin et dans et la vie présumé individu ça nous connaît dans zone ça et route et nationale numéro 1 depuis particulièrement dans niveau et route 9 Canaran et la main frappé depuis et dernier temps ça côté zone ça yo vina impraticable pour moun cap sorti dans capitale et pays d'Haïti pour dans grand nord et payant côté bandit pas suspendre théorie et population et bien la police qui est dévouée la police qui mobilisée une façon et pour la paix et tranquillité car retourner et dans zone ça nous avons plusieurs attaques et qui t'a fait plusieurs opérations et qui t'a fait et même nous capable dit je dis là la police est fait un bon coup après yo t'a filmé et fait dans la vie et deux présumés individus et si là. Oui, bravo, bravo, bravo. On nous avance et fait pas. Oui, et Jimmy, on a avancé avec l'autre information, toujours et dossier insécurité, lovely. Basquin et qui gen et sinon jouetli Mazou qui âgé seulement et de 24 l'année qui te yon serveuse qui tap travail nan niveau et Saint de Mars yon façon pour ta bousquer la ville et ben mauvais chance pour et Lovely et Basquin li recevoir yon balle et nan tête nan la nuit 26 mai 2022 pendant li te nan activité là nan niveau et Saint de Mars 23 mai qui se passé à cet anniversaire qui te bali 24 ans et seulement, lycée Timoun et Jérémy, il y a maman avec papa et grand-papa avec Jérémy, selon et s'approche par un yo informé et matin, vendredi et 27 et Mia et Shelly et Pacarité, nan mogla yo pa gen moyen pou fè rentre directement avec information yo côté agent et police national d'Haïti yo ta procédé avec arrestation nan journée jeudi et nan niveau et Mirbalè yon mamba influent et gang et quoi de Boukea k'ap conduit par Wilson et Joseph alias Lamor Sanjou et Demi Dor Peter et Pierre et qui âgé seulement de 45 l'année ta joint nan station par force de l'ordre dans Evila Mirbalè dans journée jeudi 26 mai 2022 et ben et d'après information et qui t'a confirmé par porte-parole et la police Gary et Desosier individu ça et lui-même qui t'a prêté service li comme étant interprète avec chef de file 400 maozoa dans cadre enlèvement et qui t'a suivi de séquestration 17 missionnaires étrangers et dans data et dans mois d'octobre et dans l'année 2021 et toujours d'après inspecteur Gary et Desosier et Pierre qui t'a tenté et prend la fuite pour le rendre dans pays et Saint-Domingue dans moment arrestation li et toujours et dans parole porte-parole là il fait connaître la police livré là dans une bataille sans merci contre kidnapping et puis trafiquant et d'armes avec munitions n'a permettre avec auditoire là et vivre
yon extrait et comment et ça t'est après arrestation de Jimmy Don et Peter et Pierre. Yo et la police t'a fait connaître c'est un monde qui t'a bail service comme étant interprète dans cadre et kidnapping qui t'est fait dans le mois d'octobre et de, dans l'année 2021 sous environ 17 missionnaires étrangers. Mesdames et messieurs, bon nous invite entendre qui ça parce que c'est très important et mesdames et messieurs, nous partons pour Kounia là.